Yalla, bye bye. Il est désormais ex-ministre de l'information. Georges Khordahi a présenté sa démission cet après-midi à Beyrouth, mettant fin au feuilleton polémique entre son pays et l'Arabie Saoudite. Lors de sa conférence de presse, le présentateur TV a déclaré que sa décision est motivée par le fait de vouloir trouver une sortie de crise entre Beyrouth et Riyad et partir à la normale dans la relation bilatérale. J'ai compris que les Français voulaient que ma démission précède la visite de Macron à Riyad, ce qui pourrait éventuellement ouvrir la voie du dialogue avec les dirigeants saoudiens à propos du Liban. J'ai décidé d'abandonner mon poste de ministre tout en restant au service de mon pays, peu importe où je suis. L'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe avaient rappelé leur ambassadeur au Liban suite aux propos de l'ex-ministre sur la guerre au Yémen. Depuis le mois d'octobre passé, la tension ne s'est pas atténuée entre le pays du Cèdre et le Golfe. Et la démission de Georges Khordahi était sur la table pour débloquer la crise politique et diplomatique qui bloquait le gouvernement libanais.